Docteur Reginald Boulos mande politique en Haïti pardon. Qui veut dire li pa fè politique encore. Mais qui raison fè li pa fè politique encore et qui cause tout li abandonner place li comme président parti politique li qui c'est MTV Haïti. M'bral bon détail ça yo, m'bral raconte comment même Reginald Boulos gen plusieurs mois depuis li même l'a subi une série de bagay, mais kounya la, m'bral vin avec tout détail ça yo pour vous et nan yon lettre que li écrit MTV qui c'est parti politique li côté que le fait qu'on est li même li retire li comme président parti avec un pile regret ça bien fait le mal mais malheureusement son décision li obligé prend pour lui même parce que li suspecte s'il pas prend décision ça mon chèl capable chata c'est comme ça même bra le tout détail ça mais avant bon détail ça qui te me faut connait c'est pied banane ou mettez aller ou ap tourner vinn mourir dans pied c'est comme ça m'a dit ou Haïti li même ou te mette aller c'est un coup pied banane que lié ou te mette aller ou vi retourner dans monde là ou pas capable tourner en Haïti parce que Haïti a li même c'est lui même qui matrice causé a c'est lui même qui maman causé a en tout cas Reginald Boulos fait connait que lui même définitivement li quitter Haïti li pas retourner surtout dans affaires politiques pays ici li mande politique pardon. Ça fait le mode politique, pardon. C'est parce que jou sa yo, li subi en pile persécution politique. Li passé 14 mois, d'après ça que li même dit écrit, d'après information que le bail, li passé 14 mois a subi persécution politique. Tendez bien, oui, 14 mois, c'est parti là, et petit, non? L'elle dou l'a subi persécution politique. Eh bien, ou supposé en mesure pour capable connaître que qui persécution capable joindre dans politique, surtout politique Haïti, pas gens nous penser, elle pas facile gens nous comprendre. Politique Haïti c'est wow, gado ouais, en pile moun rete odou yo c'est politicien. Mais on pas rete comme ça pour odou yo c'est politicien parce que Haïti là, nous ne pas vle ouais l'autre en lait. C'est ça cause yo youn pa ka mette tête yo ensemble pour yo gérer bagay. Ou ap gade pou wè même accord 11 septembre qui t'est fin signé, ou te mette ko yo ensemble yo makone association ensemble pour yo signer. Après ça, ou wè gen yon comme si yon colè nan mitan moun ki t'est signé yo et ou wè pa gon ki content vraiment vin gon on désaccord nan mitan moun sa yo. Reginald Boulos même écrit ça nan lettre que li écrit MTV Haïti. Côté le fait yo konnen et équipe lan li même il t'est fonti kras séparé, te gen yon désaccord en dans groupe là côté que gen moun ki pa d'accord gen moun tout ki te d'accord mais le fait reconnaître que signature ça que yo te bail là li pa trop en vain c'est comme ça même normalement si li même li te vle prendre Haïti pour le mettre Haïti sur une autre voie c'était rêvé d'après ça que il dit c'est ça qui fait que li même li te investi comme ça dans MTV Haïti qui c'est parti politique li non seulement comme président il te vle dans tête pays d'Haïti mais malheureusement Reginald Boulos qui c'est troisième voix quitté Haïti, elle gagne 14 mois depuis l'a subi persécution politique dans ça que le dit Mamblio et puis le du côté que le fin passé 14 mois ça ensemble avec persécution politique et état de santé li tellement pas de bon, état de santé li tellement te critique, li obligé rete loin paysan et loin de politique pays. Mon konn bral di tête ou mais non, Jean moun sa yo te déterminé, yo te dit c'est ou même qui troisième voix, faut que yo fait 10, faut que yo fait date, qui t'aime fort konnen, nèg sit pa nan ranse devant pouvoir yo. Et c'est pas tout le monde qui bral d'accord vinn risquer pour yo là même avec Jovenel Moïse pour un pays côté que tout le monde presque l'aime tout le monde c'est pas tout haïtien non tout le monde qui a fait politique tout le monde qui soi-disant est capable de faire bagaille pour pays presque tout le monde ça yo corrompu. Oui, presque tout le monde ça au corrompu qui donc là, faut pour venir quitter pour là, pour venir quitter vie ou là, faut que ça vaut la peine, mais si ça pas vaut la peine, ou pas qu'après venir mourir là en grand héros et puis ou pral tande oh tel t'est mouri, yo manger parce que t'a fait bon ben non, Reginald Boulos poko prêt pour mourir en Jovenel, li poko prêt pour mourir en héros pour ap cité non, oh il mourir pour politique pays, non, poko prêt pour bagaille ça yo, li obligé prendre décision normalement, lorsqu'un homme qui gagne famille tout, ou gardo ou fin investi à fond pour ça.
dans tout business ça en Haïti ou gado ou fait non kon ça bien longtemps ça et pour gado pral quitter famille ou pral quitter tout ça gen ou pral mourir comme ça injustement pour qui ça pour causer politique et bien régional boulos mandé politique ici pardon et li même prend décision normalement pour prendre décision comme ça pour charger bagaille non pays ou charger business non pays ou gagner côté ou cap ou gagner market ou gagner l'autre côté ou gagner maison pour y aller acheter machine ou gagner l'autre quoi dès qu'on charger business gagner droit gagner bagaille tout que on pas connait c'est pas seulement maison machine que yo gagner c'est pas seulement market que yo gagner pour garder ouais ou pral quitter tout ça ou pral mourir quitter tout ça elle qui a fait 14 mois déjà depuis le malade et pour elle chita li prend décision côté que le réfléchit il dit l'a quitter toute bagaille ça yo en Haïti l'a prêté loin pays causer haïtien li paladan causer tout en haïtien pour qu'on pour régional boulos lui-même pendant 14 mois ça le fait il était ou elle obligé rester loin pays parce que selon lui-même maladie dans pays ça c'est comme si pays son virus lié il obligé rester loin pays c'est ça m'abdou là oui en pile monde des fois le map dit ça, il y a moun ki kite peyi a cause insécurité, il y a moun ki kite peyi a cause on coûte magie, il y a un paquet ronga ka fait là à terre dans peyi. Là ou yo pa ka fò normalement insécurité a pa fin kwèl trop pou boulos parce que normalement moun sa ou c'est moun yo ki gen non, c'est moun yo ki te fò konnen, insécurité a te met en rage jan en rage ou après bon série de moun ki pa victime la dedans. Mais le fait que ça pa ka comme ça, eh bien gen laisse kak kout ronga yo passé régional boulos parce que li dou li rete loin politique peyi malheureusement état santé li konsa tout le capable gagne gros problème santé qui cause que le pas capable rentre en Haïti li aller à l'étranger ça capable c'est l'autre problème santé que li gagne mais là dans lettre que li écrit li bien précisé li dit voilà bientôt 14 mois que je suis vous entendez après dit bientôt 14 mois et puis tout jour qui suit bagaille la gagne à 14 mois que suite à des persécutions politiques violentes j'ai dû rester loin de mon pays li bien dit depuis le commencement tout écrit ça la pétrole tout dit li tout écrit que li gagné 14 mois depuis lui-même l'a subi persécution politique qui très violente qui donc bagaille pas normal et nèg ici nèg pas joué c'est nèg pas joué voilà bientôt 14 mois que suite à des persécutions politiques violentes, j'ai dû rester loin de mon pays. Et c'est un départ qui force son bagaille, il force ses faits, c'est pas un bagaille que lui fait ensemble avec propre volonté lui parce que le jour lui obligé rester loin pays lui parce que là bagaille compliqué le jour lui dit comme ça bagaille tellement compliqué lui obligé prendre décision pour abandonner toute bagaille même parti politique lui que l'investi la donne même l'autre business lui encore on lui obligé lui bien dit ça donc j'ai dû rester loin de mon pays et le jour ça gagne 14 mois qui donc commencement lettre là bien que me pas cali toute lettre là pour parce que grand pile cause la donne même bon bon genre détail de lui parce que l'aide ça point intéressant là dedans là c'est persécution politique que lui même lui subit l'a subi depuis 14 mois et ceci persécution c'est persécution qui très violente qui s'est passé régional boulos pral dit li était là Haïti à terre là li pas gon ti chemisette sous lui oh con ça même pour en Haïti côté yo pas son gars bien rapide pou pa gonti chemisette même onti sous vêtement ou pa gagner sou ou ça passé ou la gè kon sa bien grand moun tourner ti moun voit devant porte tourner derrière kay est-ce que devant porte tourner derrière kay pendant m'a dit ça devant porte ka pa tourner derrière kay mais yo dou gagner passé gagner parce que moun yo remè di fè coupé fè mais boulos obligé bay vague li obligé fè zèl là les papa parce que s'il pas fè zèl pour garder persécution politique ça yo violent comme ça et vrai pral vinn rete là li pral vinn rete li pral vin rete ba yo manje li ba yo finansama avec li et puis sortande la on ka do tande régional boulos mort et comme ça oui yo ge doit pas ka touye le même ja Jovenel Moïse et puis après ça gen l'autre petit bagaille qui fait encore en tout cas c'est comme ça régional boulos déclaré que li même Haïti malheureusement c'est un départ qui forcé très forcé parce que li tap subi et
jusqu'à présent état de santé li pas fin trop normal parce que état de santé li vraiment compliqué, li passé 14 mois à souffrir, bagay yo compliqué. C'est à cause complication qui gagne à cause politique ici, li obligé écrit MTV Haïti qui c'est parti politique lien que yo même c'est troisième voie, et bien li obligé écrit pour dire que ça bien fait mal en tant que président moins loin nous, elle était obligé choisir une autre commission pour capable mettre la paix dans mi tant MTV Haïti parce qu'on connaît te gagne des désaccord dans mi temps moun yo. Et bien là Boulos obligé avec un pile regret, avec un pile insatisfaction parce que là pas satisfait du tout pour garder Wofin investi à fond comme ça dans un mouvement troisième voie, et Boulos investi dans business li comme ça, les victimes de 7 juillet côté que yo té boulé business li, yo té boulé market boulon série de bagaille côté que yo fin reprendre tout ça yo, bien que yo gè droit pour ko ouvè yo, mais malheureusement Boulos fait connait que li bay vague en Haïti, li rete loin Haïti parce que haïtien d'après lui même c'est poison pour lui parce que état de santé le pas bon, passé 14 mois persécution politique yo té en pile. Malheureusement li mande politique Haïti pardon, moi si on toujours dans politique pays. Et j'en ai avec information ça qu'on connaît, qu'il y a une trentaine de monde que bandit était kidnappé week-end passé dans zone en Safoleur ou t'as sorti dans nord-ouest, il y a d'absorti oui en Safoleur donc pour rentrer dans la capitale là pour y d'absorti Saint-Anne. Donc information qui arrive chez nous au fait qu'on est Mounsayo libéré depuis hier et sans rançon, selon information nous gagnons, mais quant à jeune garçon qui était mouru pendant attaque ça, monsieur a jusqu'à présent qu'un cadavre. Et d'après ça nous apprend. Kofi Ouzi. Oui, Kofi Ouzi, mais tout Kofi Ouzi, mais tout l'autre Mounio, selon information rentrée la CAEO. Nous gagnons avec nous Maître Poustin. J'étais dans la clinique de parler hier, qui est même après le confirmer pour nous information. Bonjour. Allô? Baissez volume radio. Poustin, baissez volume radio qui va contre là. Attendez-nous dans notre téléphone là, de préférence. Allô? Bonjour, Guerrier. Oui, bonjour, Guerrier. Oui, bonjour. Allô? Très bien. Oui, très bien. Oui, bonjour, Guerrier. Bonjour, staff radio. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices à Radio Caraïbe. Oui, donc information est confirmée. Toutes 29 monde qui étaient dans la main ravisseur dans la zone de Groumon, ils ont finalement rentré la caillou hier. Alors, et pour bon, profiter de l'occasion pour remercier aux guerriers, pour remercier un jeune garçon tant que Willy. Qui était blessé, l'idée pour tout ce qui était faire des nouvelles, qui a mobilisé les réseaux. Je profite de remercier tout le monde en général qui était par coup de main, qui était contribué d'une façon ou d'une autre pour te sensibiliser et te faire des nouvelles arriver dans un réalisé. Alors, peut-être qu'il m'a parti que tout le monde a arrivé à la caillou. Mais moi, je suis pitoyé, hier soir, je dormais la caillou. Mais il y a un monde jusqu'à présent qui peut aller très vite, qui vient à faire ce communauté, qui est en route, qui a essayé de chercher la route caillou pour rejoindre la famille. Et effectivement, jusqu'à ce que nous allons arriver, et on l'a libéré. Et toute information que nous avons gagnée, nous avons libéré sans rançon. Et vous qui tendez, vous tendez, vous qui comprenez, qui nécessitez, qui te gagnez et qui douleur mon Dieu, effectivement, mon Dieu libéré. Oui, mon Dieu libéré, mais quand un jeune garçon qui était mouru, lui-même, lui, en tout cas, c'est le seul qui va rentrer. Hein? Et qui a une information qui t'a dit non, mais qui a brûlé le cadavre. Mais qui a brûlé le cadavre là, que c'est nous, c'est seulement qui va t'en. Et puis contentement
pile la joie parce que mon yo c'est comme si tout le monde était des monde qui était passé des vies à qui pas pour yo était passé qui n'ont pas joué en quoi c'était contentement en tant que famille au monde qui a pris l'autre et dégoûté mais qui tombait hier. Oui, très bien. Donc, hier, nous parlé avec une demoiselle qui n'était pas la client dans le journal, là, qui était vraiment mal en bas, mais monsieur, qui est content dans le moment de là pour dire que maman avec lui. Mais après, rappeler que Mounsayo, Poustin, il était sorti, un peu là-dedans, il était sorti Marigot pour aller dans la fête Sainte-Anne. Au pas de nouvelles, les dames qui étaient, en tout cas, organisées, mission ça. Et nous avons essayé d'entrer en contact avec les gens pour demander comment ça y est. Mais semble que ils n'ont pas de téléphone dans la main. Alors, d'un coup, l'information n'est pas encore bonne. Et c'est toutefois que lui-même était capable de chercher à entrer en contact avec la radio. Il est capable de dire comment ça y est, comment bien se matérialiser. Et on n'est pas capable de briser tout le traumatisme. On n'est pas capable de traumatiser, on n'est pas capable de parler, mais on n'est pas capable de comprendre. Et que les détails, on n'est pas un petit détail, comment ça payer, et puis, qui j'en ai offert pour qu'ils retournent à la caillou encore, parce que ça a été la croix de libération en dernier, à chaque monde qui est mouru par les familles. Tout à fait, c'est vrai. Pour nous sortir en s'affronter pour nous aller à l'autre monde avec l'immigration, pour nous faire un côté où passer, pour ne pas passer dans la bouche grande. Et c'est là que nous avons tout le monde ici à chercher route à travers le monde. Pour nous pouvoir entrer dans ce plan encore, et il y a ou pas de faire une possibilité à côté du monde qui roule, qui est au café, pour ne pas passer en aller en grande encore pour que nous tenions bien sûr. Alors c'est ça qui va être difficile pour nous après l'immigration. Bon, de toute façon, nous faisons ça quand même. Et gagner, puis ils ont arrivé dans cet esprit déjà. Est-ce nous on dit que moun yo pas retourner avec téléphone, est-ce que c'est yo te gen matériel là mais que ravisseur yo prend ou du moins c'est ça qui passé? Alors moun yo te gen de bagage qui dans l'intérieur c'est monsieur tout à l'exception des téléphones. Alors disons facté que téléphone parce que par quoi yo t'a gagné l'autre bagage et c'est la radio t'a gagné pour nous mettre sous nous. Et quand on m'a dit que c'était des paysans, alors disons, qui par contre, ça va arriver, où je vais gagner la taille, qui va avoir un bagage sur eux. Mais en général, tout va arriver, qui va être intéressé, monsieur, et qui est capable, effectivement, pour la mienne, sauf téléphone, qui est capable d'être intéressé. D'accord. Eh bien, merci un peu, M. Poustin. J'étais n'a pas rappelé où c'est un citoyen dans la commune Marigot, mais qui était intervenu pour être capable d'annoncer une nouvelle langue et demander, monsieur, pour être libéré 29 mounes qui étaient en bas, mais dans la zone gros monde et ça qui finalement fait hier. En effet, guerrier du ciel. Merci. D'accord, frère Kimbeda. Oui, Johnny. Ok. Après intervention, mettre là, il y a une précision, je voulais porter pour auditeur guerrier du sol. Et je dis à, je pense que c'est parce que l'autorité au niveau du département de l'Artibonite et également au niveau du département du Nord-Ouest, ils voulaient s'arriver là, qui fait qu'on n'a pas assisté à agissement monsieur Ganzayo. C'est vrai que depuis un certain temps là, on n'a pas assisté à une certaine prolifération spectaculaire de gangs armés. Même pas c'est var ça, n'a pas été évité. Après Martissant, après quoi des bouquets, Canaran et autres, n'a pas été évité. Pour qui ça? Dans un premier temps, groupe gang ça qui portait nom Kokorat sans race là, l'étape opérée au niveau de l'entrée sud de la ville de Gonaïve, la Croix. Ok? Ils ont été alertés aux autorités au niveau du département de la Tibonite, etc. Ils ont fait des mouvements. La police vient prise en route là, qui vient faire casser dans le feu. Maintenant, monsieur, vous venez aller sur route nationale numéro 5 là, pas trop loin de Gourmand, dans la Tibonite. Mais c'est surtout son route qui est liée par Saint-Bleu au niveau du Nord-Ouest et sur continue vers les ports de paix. Nèg yo acheté zone ça l'argent comptant, c'est pas jodi a. Nèg yo détourné camion marchandise, nèg yo violé,
nèg yo kidnappé. Et ça que fait ça fait bruit, c'est parce que dimanche là, yo kidnappé près d'une trentaine de personnes. Oui. Mais c'est pas jeudi y a fait. Oui, parce que surtout jeudi dans même semaine là, jeudi 28, nèg yo tiré sur un pack-up Udmo, un policier qui pombal dans tête qui mouri Anthony Dumas. OK? Donc ça veut dire malgré nèg yo après j'arrête, y a vinn pi à l'aise, autorité va attendre c'est là peut-être gagné. Nombre de monde ça y a kidnappé ou bien cap victime bagala commencé faire bruit sur réseaux sociaux yo bagala commencé faire bruit dans la presse ou va loin qu'on y a là ou va gagner des plaintes ou va gagner des interventions etc. Même penser était qu'à éviter et guerrier Samba voulait on prophète de malheur comme monde cap suivre actualité à de près au niveau du département parce que si jodi a il va commencer prendre des mesures qui gagner dans figure gang ça va bien à l'aise parce que côté yo y a li son jeune qui pas vraiment gain caille son jeune en terre battue ça ou les petits bois d'homme non donc inévitablement moun k'ap sorti gros mon ou bien dans l'autre zone pour rendre dans l'ouest qui obligé passer par là on dit ça autorité yo, notamment le parquet pardon de port de paix et puis direction départementale police à l'ouest fait yo interdit moun voyager après 7h du soir avant 6h du matin. Pour qui ça? Parce que d'après eux, c'est dans le moment ça est capable eh bien permettre que des patrouilles policières fassent route là. Donc ça veut dire si on nous gagne en urgence. Donc après 7h du soir, on pas prendre route ça. Ça la police ni la justice par rapport il va responsable ça vous le dit mal là. Elle dit au lieu que nous arranger situation nous obliger cherchons façon pour l'adapter nous accommoder nous. Voilà, donc parce que pour moi sans race qui c'est nouveau groupe gang qui a émergé au niveau de Gromon, notamment Tibouadom, l'Opralie, pas Saint-Bleu. Donc, je pense qu'il y a un peu de confiance, parce que je bon dit, d'abord, il y a parlé de yon dans tous les médias là, actuellement. Là. Et nous avons un moment où il y a entrée sud là, il y a la Croix-Péris, qui sont section communale au niveau de l'Ester. Donc, il y a des fonds posés. Mais je vous dis à la Nagyo, comment c'est parler de yo mais pas jodi a en pile monde gomon surtout victime y a monde d'ap victime en pile monde yo kidnappé ba la pas fait bruit yo rete en silence moun yo négocier yo pas fait bruit alors que kounya la prend chaîne pour monde nord-ouest c'est nouveau va là avec des pour monde port de paix à pas la voix la saute pas au presque la saute dans n'importe côté de pays a libre aller nord-ouest là et est-ce que ni contrôle monsieur Tibouadom même j'aime ta gazine belle sud est-ce que Matisse en descend donc ça veut dire qui monde là qui c'est nord-ouest seulement votre côté négocié parce que s'il y a sous pour aller bassin bleu ou pour aller port de paix ou pas dans quelque autre zone dans département ou sorti par exemple m'a sorti Gonaïve m'a sorti Port-au-Prince OK m'a sorti dans l'autre région dans pays a et puis pour mal rendre moi dans département ça donc m'obligé passer par la nationale numéro 5 vous comprenez donc far là c'est au niveau de Tibouadom côté monsieur ça va opérer et nous on a fait toutes sortes de mauvaises actions nèg violé yo détourné camion yo kidnappé. Et c'est pas jeudi à Yapfel. Peut-être que dimanche après-midi, il a frappé fort avec environ une trentaine de monde. Oui. Bah, là, fait gros bruit. Jeudi, un peu plus tôt, jeudi 28 juillet, il a tiré un policier Udmo. Donc c'est vrai que moi, j'ai des efforts conjoints qu'a fait entre la police et la Tibonite. Il y a des efforts conjoints entre la police et la Tibonite avec la police au niveau du Nord-Ouest pour essayer de capable faire des bagailles. Même penser que si c'est pas des opérations cosmétiques, n'a pas obligé de frapper fort, sinon, gang n'a pas confiance et puis bonnet c'est grand matin, puis t'as la victoire. Et justement, guerrier avec Johnny, il y a une opération la police la Tibonite à Sipport, Udmo, Nord-Ouest et puis SDPJ dans la localité Tibouadom, pendu à Kabera, dans la commune Gromon, bien bonnet, ailleurs dimanche là, opération ça visait Kwape Bandiyo et puis libérer zone ça yo qui en bas contrôle plusieurs groupes ZAM dans la Tibonite. Policier Udmo yo rivé faciliter circulation en sur route nationale numéro 5. Dans zone Gromon, dans Tibouadom. Bilan opération 1, c'est déjà 3 présumés bandits qui t'ont mouru, 6 l'autre blessés, 4 individus arrêtés et puis la police rivée saisit 6 motocyclettes. Ouais, voilà, c'est ça. Information fait qu'on est, qui soit si bon côté la police, c'est bien pour nous parler avec Ospadon Rock, Jouvenis Clavel tout à l'heure. Mais nous, on pourrait parler avec Agronome Arthur Jovial Bonisset, puisque nous apprenons, c'est samedi 6 août, qu'on venait là,
Caraï, chirurgien, pédiatre haïtien, docteur Penny Roberto, qui était mort assassiné en Floride le 13 juillet passé, a finalement chanté dans la commune en sapitre. Et Arthur Jovial Bonisset, c'est une petite en sapitre. Il voulait partager avec nous ça qu'on est concernant information ça. Nous songez, Jean, nouvelle ça, t'est tombé. Donc, jeune professionnel haïtien ça, qui était obligé courir quitter le pays pour insécurité, mais qui est après mourir en babal aux États-Unis. Arthur Jovial Bonisset, bonjour. Bonjour Gabriel, bonjour Woody, bonjour Johnny, bonjour à tout opérateur qui permet que le monde là atteigne Grand Boulevard jeudi mardi et qui c'est de août là. Très bien, donc vous annoncez que funérailles médecin ça, jeune médecin ça qui était obligé de quitter le pays à l'abchoté samedi, au cas où vous retournez avec nous sur ce fait ça, sur incident qui était conduit à assassinat médecin. Oui, d'un côté de l'introduction, et docteur Roberto Peigne, que tout le monde a connaît ce nom pas tout, c'est un jeune haïtien qui fait un pile effort de commune à Sapit, ville à Sapit, quand elle était prise naissance en 1980, et quand elle a pris certificat, il n'y a pas même dans un bon école secondaire dans la ville de Sapit, elle est obligée d'entrer dans la commune Cafou et dans le lycée de Dikini. Pour faire l'école secondaire libre. Et après, elle était allée à la République dominicaine du côté de Santiago pour faire études de base en médecine. Et après, elle était rentrée à Haïti, elle participait dans le concours, quand elle était même sorti lauréat, des lauréats, pour être allée perfectionner lui, à spécialiser lui en chirurgie. Et elle était trouvé ça pas suffit pour avoir un diplôme de chirurgien général. Elle a spécialisé encore, elle a fait une sous-spécialisation en chirurgie pédiatrique. Et depuis lors, elle était mise au service du pays. Lui. Quand elle a payé à Port-au-Prince et dans différents centres hospitaliers, comme l'hôpital Saint-Damien, comme dans d'autres hôpitaux, quand elle était même fait des services au niveau de Fonds-Révette, de Baudary, dans la commune Gangosier, et même Mapou, dans la commune Bellance, eh bien, il a évolué très bien en Haïti, jusqu'à ce que la situation de sécurité du pays a été vraiment en difficulté. Côté madame, avec deux premiers petits qui ont été obligés de quitter le pays, a. Même il a fait résistance. Et ma propre nous, docteur Roberto, était construit et dans la zone côté M. 400 Marozo a opéré dans plein du cul de sac. Bon, au côté que lui était obligé, pas même qu'à la Cadil, elle finit de travail. Bon, devant tout ça, malgré résistance tout à fait, il était obligé de jeter lui pour aller vivre en Floride. Et côté lui-même, il a pu organiser lui pour prendre formation pour entrer comme médecin aux États-Unis, pour te rentrer dans le corps médical aux États-Unis. Bon, comme nous tous nous connaissons, le jour qui était 13 juillet, pendant que madame Lee, qui était abonnée à service Uber, comme Maïsien qui a connu, service Uber, son service taxi, quand on carré les, et vous doublez un tel bagage, et puis comme il y a un doux, ok, elle prend tel bagage, tel côté, elle baille tel monde pour moi. Eh bien, lui-même, il était à aider madame Lee, la livrer en nourriture du côté de Port-Saint-Lucie, qui se trouvait au nord de Miami, à 180 km à peu près. Eh bien, ce soir-là, du 13 juillet, bon, il a été criblé de plusieurs balles. Et depuis lors, c'est la catastrophe. Et nous-mêmes, dans la commune de Sapit, et à travers tout le pays d'Haïti, qui était connu pour un service et gros spécialiste, c'est passionné de la médecine, c'est passionné du bon service. Eh bien, c'est la souffrance, c'est la mort, pratiquement. Mais il a fallu beaucoup de batailles avec la famille qui est basée aux États-Unis pour nous dire nous t'aimer récupérer quoi au moins pour nous faire funérailles. Parce que c'est un héros, nous, pratiquement, que nous perdons. Bon, le combat a été fait, il mené. Et la semaine écoulée, quoi, tu es rentré en Haïti, à la République dominicaine, et que nous t'es placé l'inomog. Et finalement, samedi, si Dieu veut, à partir de 2h, 3h, les communautés en Sapitoise-là a pu célébrer la vie et puis chanter funérailles et docteur Roberto Peigne, dit pas tout. Et je dis à nous qui est venu là, c'est pour nous avoir annoncer à tout le monde qui te connaît, docteur, et qui t'a remis
et peut-être participer dans le funérail là, que n'annoncer ça pour être capable de faire le nécessaire dans la mesure du possible et surtout pour annoncer le pays là, qu'il fait effort pour résoudre le problème insécurité ça, qu'il a dérangé le pays, qu'il a détruit le pays là. Parce que Dr. Roberto pas de pour information pour le servir l'autre pays, pour le faire taxi, mettre ses temporaires pendant qu'il a une condition pour lui reprendre un diplôme aux États-Unis pour le travail comme médecin. Dr. Roberto était chargé de rêve pour payer ça, par exemple, à Sapil, qui c'est ville natale, lui, rêve lui, c'était mettre en centre hospitalier, tout le travail de l'autre bureau, c'est pour lui créer des conditions à suffisamment de revenus pour venir faire l'hôpital pour le servir la communauté. Donc, c'est gros autorité dans son sens que n'a pas crié dans sa pays que pays d'Haïti supposé a crié parce que pays ça qui pas gagné ce responsable. Donc longtemps de au monde fin fait 7 ans d'études de base en médecine, il fait 4 ans dans chirurgie, le finir là fait 2 ans pour les chirurgiens pédiatres. Plus toute année, il a fait l'école. Donc, mes amis, nous comprenons qui quantité de sacrifice. Et c'est dur lorsque le pays n'a pas qu'à bénéficier de tout sacrifice. Ça, pour que ces gens obligé de quitter le pays pour la gaspiller quelquefois, mieux que M. Limlem n'a pas entendre pour ne pas pratiquer médecine, quelque à côté là. Il a dit bon, la paix soumettre à toute exigence. Et après ça, pour y rentrer, pas même si les États-Unis c'est médecin pour lui, parce que c'est ça, c'était sa passion depuis sa tendre enfance. Et puis, c'est ça qu'il voulait faire. Mais malheureusement, des mains criminelles, et retirer nous, les docteurs, mais n'a pas crié, n'a pas demandé l'État haïtien, prends mesure pour que nous ne pas gagner, pour n'a pas crier.